Yo tout le monde, j'espère que ça va. Moi je suis chaud 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 aujourd'hui là. Bon, vous avez vu dimanche dernier, c'était vraiment pas ouf ce qui s'est passé là. 7 brocantes, on n'a rien trouvé, c'était un truc de dingue. Mais il faut persévérer, je sais qu'on va finir par trouver un truc de fou. Je vais essayer de vous trouver ça. J'espère que ça va se passer aujourd'hui. En tout cas aujourd'hui on s'en va pour faire 5 VG d'après ce que j'ai vu. Pas tant de kilomètres que ça puisque là c'est rapproché. Mais il y a moyen que ce soit super cool. Donc voilà, j'espère qu'on va trouver quelque chose à se mettre sous la dent et je vous filme ça. Dès qu'il y a quelque chose, c'est pour vous quoi, direct. Allez, à tout à l'heure. Ok. Vous avez que ça en jeu vidéo? Non, il y a encore une console là-bas. Ah, ok, d'accord. Et la petite pochette, vous la faites combien là? Je sais pas, la marque 3. Ah, j'avais pas vu. 3 euros. La pochette, elle est nickel, sauf. Allez, ah bon, elle a de l'âge un peu. Oui, bah oui, j'imagine bien. Mais ça change après Noël. Alors, on peut laver ça, mais ça se détache. Ok. Ok, je vous remercie. Bonjour, on passera peut-être tout à l'heure. C'est gentil. Allez-y. Et la console, vous la faites combien tout à l'heure? La console, le tout est à 30 euros. La console, elle fonctionne. Le seul truc, c'est qu'il manque le câble d'alimentation. D'accord. Et le, vous savez, pour le lecteur. Alors, d'accord. Il faut l'aider parce qu'il il est un peu faible. Souffert, ouais. Ok, d'accord. Et là, il y a une manette hein, sur les trois qui apparemment a d'accord. du mal. D'accord, ok. Voilà. Et je vous remercie, et je repasserai. Le tout, c'est 30 euros. Merci, madame. Je l'ai branché, elle ne fonctionne pas. Il y a tout, il y a les manettes, il y a le machin. Okay. Mais bon, je n'ai pas essayé de l'ouvrir. Il y a le jaune ici, elle fonctionne ici ou pas? Pour changer la batterie. D'accord, vous vendez ça à combien, s'il vous plaît? Pour 15 euros. Ok, et les petits baladeurs, vous les faites combien? 3 euros pièce. Ils fonctionnent ou pas, vous savez pas? Non, je n'ai pas essayé. Ouais, ça fonctionne ça. D'accord. Ah, ils sont tout bons. Et puis ils sont mortes. Ok, ça fait 15, on va dire 20 pour le tout, ça pourrait vous le faire? Oui, ouais, oui. Ouais, okay. Ouais. Je vais regarder vos jeux là-bas, je regarde en même temps. Et les jeux, vous en voulez combien? Ça dépend lesquels. Ben, celui-là, c'est 4 euros. Celui-ci, par exemple? Ouais, celui-là, 3 euros, ça va. Ok, et celui-ci? Ah, celui-là, 5 euros. Celui-là, 3, je vais vous le prendre. Et en console, c'est tout ce qui vous reste, juste celle-ci? En console? Ouais, en console de jeu. Ah là, il y a une PS1 aussi, ok. Ouais, avec tout ce qu'il y a dedans. Ok, et ça, vous en voulez combien? Zéro. Ah, elle fonctionne. Ouais. Celle-ci, elle fonctionne. J'ai une potion encore là, je vais le faire. Celle-là, c'est sûr qu'elle fonctionne. Ok, il y a les tapes dedans. Il y a le côté, il y a tout. Ok. 15. L'autre, ça va 15. Puis les deux Walkman, on va dire 5, ça fait 20, ça fait 35. Si je vous prends le tout pour 30, ça vous va? Le tout pour 30. Ouais. Alors ça. Ouais, ça. Et puis le jeu que j'ai pris là. Celui-là. Il est là. Ouais. Vous me dites.
comme la console elle marche pas, ça va me faire un peu de réparation et tout. Ok. Entre 80 centimes et 1 euro l'unité. Si je vous prends le classeur, vous me le faites à combien? Alors le classeur n'est pas vendu. Ah pardon, bah, si je vous fais tout. 1, 2, 3, 4, 5. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19, vous me le faites à combien? Je peux vous faire les 10 la totalité. Ok. Bah ça me va, si vous pouvez me le sortir, ce serait cool. Okay, pas de soucis. Je peux regarder. Ça, je l'avais en 5 euros. Ça, c'est le Elder Scroll, c'est ça? Ouais, c'est le livre de. Collector, ouais. Collector Elder Scroll. Ok, ça, c'est cool. Vous le vendez combien celui-ci? Alors, sachant qu'il y en a double, hein. Il y en avait. Ah, d'accord, ok, ouais. Voilà. Et du coup, ouais, le bouquin Elder Scroll, vous le faites combien? Le bouquin Elder Scroll, je le fais à 25. D'accord, ça marche, c'est pas excessif. Non, j'en ai vu, il y en a, ils le vendent à 75, je fais, ouais, ça va être compliqué. Ouais, bah, et après... Ouais, pareil, hein, il est... Ok, ça marche. Ça, c'est... Ah, enfin, c'est vidéo YouTube. Ouais, c'est ça, exact. Mais je crois que j'ai peut-être dû vous voir sur une vidéo, exact. Les brocantes et tout. C'est ça. Est-ce que t'as vu le Saint Graal? Le Saint Graal? Non, vas-y, sors-moi. Tu m'as vu une collection des Sims, c'est ça? Non, le Saint Graal de la brocante. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je vous remercie. C'est bien. Et le loup, je le fais pas cher. Hein. C'est-à-dire? Vraiment, si vraiment vous prenez tout, je vous fais à 30 euros. Ouais, non, ça me suffira pas. Non, ça me. Non. Par contre, je veux bien, si c'est possible, celui-ci. Juste le dénoter si c'est possible. Comment? Le prendre à part, celui-ci, c'est possible ou pas du tout? Oui, oui, oui. Du coup, ça ferait 5 le jeu plus la manette. C'est ça, ouais, vous m'avez dit 2 le jeu plus. Ouais, c'est ça. Ok, ça marche. Je vous précise. Non, je fais des vidéos YouTube en fait. Ok. Ouais. Et je filme tout ce que je trouve sur les villes grenouillées, les brocantes. Okay. Et puis je présente ça sur YouTube. Ok, c'est quoi votre plan? Bah, je vais vous montrer ça, je vais vous donner. Celui-là, vous m'avez dit c'était 15, hein, ouais. Ça. Vous en avez pas d'autres de jeux vidéo, toi? Non. Après, si vous aimez. Est-ce que vous aimez bien les FIFA? Non, pas du tout. Ah non, vous jouez pas. Non. Non, parce que sinon, j'avais le 23 aussi. D'accord. Ah bah voilà, il y en a des autres des jeux vidéo qui arrivent. Ouais, on avait bien. Vous en avez encore d'autres au cas où? Bah ça. Mais il faut que je regarde si les boîtes. Je sais pas ce qu'un jeu m'a demandé ce matin. Je vais déjà vous prendre ça, c'est sûr. Après je vais regarder le reste. Il m'a dit 15 et après c'est 2 euros les jeux. C'est bien ça? Je sais pas, c'est ce qu'il m'a dit. Pour ça j'ai posé la question. La petite DS, vous la vendez combien si c'est pas indiscret? Non, c'est rien. Vous m'en posez des questions parce que. Oui, bah, c'est ce que je recherche en fait, c'est pour ça que je fais le tour des vides greniers en fait, simplement. Je pense, je sais pas, j'ai 10 euros quand même. Ouais, 10 euros. Mais encore bien, bon, un coup de nettoyage après. Elle s'allume et tout? Je peux regarder? Bah, je peux regarder? Pas chargé, j'ai pas le chargeur. Bon, 10 euros, ça va si. Bah, logiquement, je pense. Ouais, soucis, je pense que logiquement, il devrait pas y avoir de problème vu l'état de la console, elle a l'air très propre. Non, bah, c'était la mienne en plus donc. Bah, je vous fais confiance. Bah, 10 euros, je vais vous la prendre aussi du coup. Hop. Et puis après au niveau du jeu, bah, je regarde parce que voilà, vous avez... voyez. Oh, on a du Mario parce que bah, les jeux, vous les vendez combien pareil, pièce? Ouais. Ça va être 2 euros. À 2 euros pièce? Ah, oui. Ok. Ça part, hein. Je vais abandonner mon part, hein. Ça, je vais vous prendre celui-ci s'il est dedans. Je sais pas, on va regarder. On va regarder. Je viens de trouver ça sur moi-même. Ouais, ça oui. C'est pas le même. C'est pas le même? Non. Ça, c'est Link Between, c'est un autre. Ah, mais je sais pas. Ouais. En plus, c'est ce qu'on m'a donné, j'en ai même pas de 3DS. Ça se trouve, vous l'avez peut-être là-dedans. Non, je ne pense pas que je l'aurai, mais à mon côté. Ah, si, ça peut m'intéresser aussi, le Super Monkey Ball, ouais, à 2 euros. Ça fait ce que vous voyez. Le Layton aussi peut m'intéresser. Voilà, il est là le Layton. Ça, c'était à moi. Si vous pouvez le remettre dedans, c'est cool.
Et il y a l'autre, mais j'ai plus le... Ça, c'est dommage. J'ai le deuxième professeur Layton, mais... Non, et puis ça, c'est quelque chose qu'on m'a donné, donc c'est sûr, je ne l'ai pas. Celui-là, si je vous le prends un, ça vous va? Ouais, ça me va. Bon. Ouais, ça me servira. Et du coup, celui-là, bah, je vais vous prendre aussi, s'il est complet. J'ai celui-ci, mais j'ai plus la boîte. Bah, ça dépend, vous le vendez combien, comme ça, sans la boîte? 1 euro. Bah, allez, mettez-le avec. Ouais. Ça fait 3. Celui-ci, il est complet ou pas? Non, je crois pas. Non, je l'ai pas. Il n'est pas là non plus. Il est pas là. Non, c'est dommage. Et du coup, c'est quoi qui va? Je me permets, j'en ai un. Allez-y. Bah, la boîte, le monsieur, il l'a pris ce matin. Mais ah, merde. Voilà. Ouais, c'est dommage. Bah oui, et puis ça, j'ai pas... je ne me serais pas imaginé que ça. Vous les faites combien, ceux-là? 1 euro aussi? Oh oui, ça se prend 1 euro. Ouais, allez, ça se prend ces 3 là en même temps. D'accord. On va refaire le compte. Le compte. Ouais, parce que là, il y a un peu beaucoup de choses. Ok. Alors, du coup, celui-là, on avait dit 3 parce qu'il y a le deuxième Layton dedans. C'est ça. Ça, celle-là, c'est 1 euro, c'est ça? Oui. C'est ok, bon. Donc ça fait 4. Avec ça, ça fait déjà 5. Là, c'était 2. 2 plus 1, ça fait 5. 10. D'accord. Donc 10. Là, ça fait 10, ouais. Donc ça, c'est 10. Donc, 20. Celui-là, vous m'avez dit 15. Ouais. Donc ça fait 35. 35 plus 6, 41. 42. 40. Allez. 40, 40, ça vous va? 40, c'est bon. Allez. Oh, oui, 40. Vous avez plus du tout chez vous au cas où? Ou des, là, cartes, non, Pokémon, je cherche aussi des cartes Pokémon? Ah bah on vient, on a, on a vendu 2 paquets. C'est pas grave. On a vendu 2. Donc du coup, bah, 40, sinon, je peux aller regarder 40, si vous me va. Si vous voulez ou si vous avez d'autres jeux, on sait jamais. Ça marche. Bon, je vous paye déjà. Ouais les petits gars, vous avez vu un peu là, ça s'est pas trop mal passé là, c'est brocante aujourd'hui là. On a quand même fait des belles choses là, surtout le dernier stand, hein, franchement, une petite console, des jeux DS, des jeux PS, vraiment cool quoi, vraiment sympa. On va débriefer tout ça en rentrant à la maison, mais bon, on a bien profité ce matin, on a fait 4 VG avec le pote, il a pas trouvé grand chose malheureusement pour lui comme d'hab, mais bon, il est un peu compliqué en même temps, il cherche toujours à ramer, il y a pas tout le monde qui joue à ça, mais il y en a quand même. Bref, c'est tout, allez, on se retrouve tout à l'heure pour le débrief. À tout. Et re tout le monde, on se retrouve donc pour ce résumé de vide-grenier. Franchement, aujourd'hui, la persévérance, ça a vraiment payé. On a fait des kilomètres, on a fait pas mal de VG, on en a fait 4. Mais c'était vraiment, vraiment, vraiment cool. Et heureusement qu'on s'est bougé. Alors, on va commencer par le premier VG où j'ai trouvé 2 petits boosters de Pokémon Reine de Glace. 5 euros pièce, donc 10 euros les deux. Ça, c'est cool. Ça va me servir à mettre dans une future ouverture en live comme je fais de temps en temps. Donc ça, c'est sympa. Voilà, c'est des petits prix assez corrects. On met ça dans la boîte à booster et voilà. Sur le même VG, il me semble, ou sur le VG d'après, je ne sais plus exactement, j'ai trouvé aussi des petites, un petit lot de tops, pareil, carte Pokémon encore une fois, un petit lot de tops, voilà, il y en a 19, il me semble, je me suis dit à ce prix-là, je vais les faire, puisque le monsieur, il me vendait ça 50 centimes pièce, je crois, en gros, le lot là, le lot 19 cartes, il me l'a fait à 10 euros, donc je le remercie encore une fois, c'est un bon petit prix, c'est assez cool. Et voilà, donc je vais quand même faire cette petite série là parce qu'elle m'intéresse, je ne m'étais jamais penché dessus. Et puis là, en voyant un petit lot comme ça, je me suis dit, bon allez c'est cool, on va la faire. En plus elles sont vraiment en bon état, donc voilà, pour 10 balles, je suis content de rentrer ce petit lot là. Ensuite, on a continué un peu plus loin sur ce VG là, j'avais repéré des jeux de PS1, tous en loose et tout, c'était un petit peu bizarre. Il y avait un peu de tout, il y avait un volant, il y avait une espèce de petite pochette que j'ai déjà ici, hop, comme ça, exactement la même que ça, mais qui était dans un état bof, enfin du moins l'extérieur était propre, mais l'intérieur était vraiment bof, donc j'ai pas pris. Bon, elle vendait ça 2 balles, alors c'était pas spécialement cher, mais bon, c'était acheté pour acheter, ça m'intéressait pas. On a continué sur ce VG, et là, dans une caisse en plastique posée par terre, mon œil a été attiré par ça. J'ai vu ça en fait, et donc une manette de GameCube, alors elle est sale, comme vous pouvez voir. Le joystick là, bon bah il est bouffé, mais par contre, les retours ont l'air de super bien marcher. Tous les boutons ont l'air d'être fonctionnels. Donc clairement, je vais la nettoyer, je vais faire un test, et puis je changerai le petit caoutchouc, je remettrai un petit caoutchouc juste là, ça se recommande, ça on peut en trouver, donc c'est assez cool. Donc la manette là, le monsieur, il m'a vendu ça 3 euros. Donc je l'ai prise, et avec ça, il y avait une Wii. Il m'a dit, si tu prends tout, je te fais le lot à 30 balles. Ça ne m'intéressait pas spécialement, parce que les Wii, j'en ai déjà pas mal, et puis pour s'en débarrasser, c'est un peu plus relou maintenant. Il m'a dit, sinon les jeux, je les fais 2 euros, mais j'aimerais bien les vendre avec le lot. Je lui ai dit, écoute, pour moi, il y a un seul jeu qui m'intéresse, à 2 euros. Et du coup, je lui ai pris ce jeu, et ce jeu était celui-ci, qui était dedans, le jeu de GameCube, Luigi's Mansion, qui, en plus de ça,
est complet avec sa notice. Hop, il y a le petit poster qui est avec là, enfin le petit fascicule et tout. Vraiment cool, la petite pub. Vraiment sympa. 2 euros le 8 Juice Mansion. Je remercie encore le vendeur. Franchement, cool. Très très bon prix pour un vide-grenier. Ça, je suis vraiment vraiment très très content. Voilà, donc ça c'était, on va dire, les deux premiers VG. Je ne me rappelle plus exactement dans quel ordre j'avais récupéré ça. Mais bon, voilà. Donc après, de là, on a bougé. On a refait une petite vingtaine de kilomètres à peu près. On est arrivé sur le troisième VG où on n'a absolument pas trouvé grand-chose, si ce n'est un petit lot de cartes Pokémon, encore une fois. Donc du glaciation plasma en état vraiment ouf, avec de belles holographiques, voilà, comme vous pouvez voir, vraiment sympathique. 1 euro pièce, donc bon, c'est un petit peu cher sans réellement l'être. Enfin voilà, pour des états vraiment, on va dire, pratiquement near mint, ouais, franchement, quand on voit les états comme ça, c'est juste incroyable, quoi. Donc ouais, vraiment cool. Donc 1 euro, bon, ça ira, ça remplira très très bien mon classeur et c'est vraiment cool. Et dedans, il y avait aussi une carte que je voulais depuis un petit moment récupérer, et là je l'ai trouvé à très très bon prix. On a le beau Dracaufeu en niveau X, comme ceci. Pareil, en état vraiment super cool. Celui-ci, 5 euros. Comment dire que 5 euros pour un Dracaufeu en niveau X, on ne peut pas rêver mieux. Donc ça, vraiment vraiment trop cool. Je suis vraiment super content de cette petite trouvaille qui va finir dans le classeur. Voilà, donc ça c'était le troisième VG. On n'a rien fait de plus dans ce VG là, non. Et puis il y en a un qui, il y avait un VG donc sur la route du retour, c'était marqué première brocante avec le nom du village et tout. C'était la première fois qu'ils faisaient une brocante, annoncée entre 20 et 50 exposants. On est arrivé, ils étaient 8 à tout péter. Et ben, on a fait un premier tour. J'ai rien vu qui m'intéressait spécialement. Je suis allé jusqu'au bout de la rue, donc c'était une toute petite ruelle. Et puis en revenant, là, mes yeux se sont posés sur un truc. J'ai d'ailleurs, ça m'a fait un peu halluciner que je ne le voyais pas. Donc c'était celui-ci, donc le Dragon Ball sur Switch. Je l'ai pris encore une fois pour mon fils qui commence à s'intéresser à Dragon Ball. Je vais l'essayer avec lui aussi. Donc voilà, ils se sont posés là-dessus. Et juste derrière, il y avait des piles de jeux de PS2. Voilà, donc j'en ai pris quelques-uns. Le Dragon Ball là, je l'ai payé 15 balles. Mais je vais vous parler d'un lot après, ce sera plus simple, plus parlant. Ces jeux-là, je les ai payés 2 euros. Voilà, donc le petit Scooby-Doo démasqué. Je les ai pris pour de l'échange uniquement. Puisque de toute façon, à ça, à la revente, ça doit valoir à tout péter 2 ou 3 euros. Mais je les ai pris pour faire de l'échange. Il y a le Crazy Frog Racing. Je les ai payés, ils étaient annoncés, pardon, 2 euros chacun aussi. Il manque la notice dans le Burnout Revenge, je crois. Hop, ouais, voilà, c'est ça. Il manque la notice, sinon les autres sont complets. Donc ça, voilà, annoncé donc 15, 2, 2, 2 et 2. Et puis, donc c'était un jeune qui vendait ça. Et puis donc sa mère, elle est arrivée, et elle est arrivée avec des trucs dans les mains. Et là, j'ai dit, waouh, ouais, bah, c'est ça que je cherche. Et donc j'étais tout fou, j'étais tout content. Déjà, elle me présente ça. Donc voilà, comme vous pouvez voir, une pochette avec une belle Nintendo DSi. Voilà, donc une superbe DSi. Trop, trop cool. Alors... elle a plus le chargeur, donc la console est déchargée. La dame a environ, je dirais, une quarantaine d'années. La console, à part des traces de doigts, elle est juste dans un état incroyable. Elle est vraiment, vraiment super propre. Voilà, donc 10 euros la console. Elle m'a dit, je vous garantis qu'elle marche et tout. Je me suis dit, allez, pour 10 balles, je lui fais confiance. On va faire confiance à la personne et puis on verra bien comment ça se passe. Mais je perds pas grand chose si ça marche pas. Franchement, vu l'état de la console, je pense que j'ai aucun problème là-dessus. Je ferai un short pour vous montrer ça. Vraiment cool. Ensuite, donc avec ça, il y avait tout un tas de jeux de DS et de 3DS. Jeux que j'ai acheté. Pas tous, certains. Donc celui-ci que j'ai payé 2 euros. Pareil, qui est complet. Voilà. Avec sa notice, voilà, un petit peu corné, mais. Le jeu à 2 euros, donc ça, cool. Le Super Monkey Ball, pareil, 2 euros. Voilà, complet. Alors là, vous allez voir un Professeur Layton, la boîte de Pandore, complet. Mais dedans, et en plus, il y a un jeu en loose, qui est le Professeur Layton The Curious Village. Voilà. Donc celui-ci, il est en loose parce que la dame, a priori, on lui a donné ses jeux et il n'y avait pas les boîtes avec. Donc du coup, chaque jeu de DS, elle me les a fait 2 euros et les jeux en loose, elle me les a fait à 1 euro. Donc je les ai pris. Et il y avait le Zelda Triforce. Alors là, c'est un petit peu la déception parce que dans le Zelda Triforce, je vais vous montrer, dedans, c'est pas le bon.
malheureusement, c'est un A Link Between. Et re tout le monde, bah désolé pour ce petit bug vidéo, je sais pas du tout ce qui s'est passé par rapport à la GoPro. Du coup, je vais vous finir le résumé de ce qui était trouvé donc dans le vide-grenier ce jour-là. Donc là en l'occurrence, entre le moment où je tournais la vidéo et le moment où je vous fais le récapitulatif, il y s'est passé pratiquement une semaine. Donc il y a des objets qui sont déjà partis à l'échange, d'autres qui sont partis en réparation. Je vais vous dire pourquoi réparation. Déjà, donc faut savoir que sur là où on en était arrêté donc dans la vidéo, après il y avait donc un autre jeu, c'était un jeu Zelda Triforce avec dedans malheureusement pas le bon jeu, c'était un A Link Between. Donc la dame elle m'a fait la boîte avec le jeu donc A Link Between dedans pour 1€. Ensuite il y avait trois jeux en loose, il y avait le Super Mario Bros, il y avait un Cocoto et puis il y avait un Mario versus Donkey Kong. Donc c'est pareil, chaque jeu en loose c'était 1€ pièce, donc ça c'était vraiment vraiment trop cool, plus tout ce que vous avez vu donc au début de récapitulatif pardon. Donc ça faisait il y avait le jeu donc de Dragon Ball sur Switch, il y avait les trois jeux de PS2, il y avait les jeux de DS en boîte, la DS à 10€. Plus les jeux en loose, tout ça, ça faisait 40€. Donc moi, j'ai trouvé que c'était un prix vraiment, vraiment super cool. Et je remercie la dame et son enfant pour ce prix-là que eux ont décidé de me faire. Voilà. Ensuite, j'avais aussi oublié de vous parler du fameux lot que vous avez vu dans la vidéo avec la Master System. Ça a commencé comme ça. Donc par rapport à le sac où il y avait une Master System dedans, avec le flingue de manette, la Master System HS, je précise. Donc ça, je vais l'envoyer. Enfin, je vais donner ça à mon pote Benvin, savoir si il va pouvoir y regarder, voir ce qu'il peut trouver. Pour moi, je pense que c'est... j'ai vu qu'il y a un défaut de connexion au niveau du câble d'alimentation. Je pense que ça doit être ça. Donc, si c'est que ça, c'est pas très grave. Donc, voilà. Donc, la Master System avec donc la manette, les deux manettes, pardon, le pistolet et le jeu André Agassi, c'était 15 balles. Il y avait deux Walkman que vous avez pu voir. C'était 3€ pièce. Je les ai négociés à 5€ les deux. Donc voilà, j'en ai testé un, à savoir s'il n'y en a que un qui marche sur les deux. Le deuxième, bon bah il me servira d'objet de décoration dans mon petit coin années 80, mais ça me dérange pas trop, parce que j'en ai déjà plusieurs, donc bon, 5 balles, bon, c'est encore pas la mort. Il y avait aussi un petit Kingdom Hearts que vous avez pu voir sur la 3DS, qui lui est déjà parti à l'échange. Pareil pour 2€, donc c'est vraiment rentable sur la 3DS. Il y avait une DS dans un super bêta, la jaune, avec, vous savez, c'était marqué, enfin, la batterie était HS. J'ai changé la batterie, et la DS, elle s'allume, mais ça connecte pas longtemps. Alors, est-ce qu'il y a autre chose dans la console ou pas? Je sais pas encore, faut que je me penche dessus. Donc, elle s'allume quand même, donc c'est déjà pas si mauvais signe que ça, mais on va voir ce que c'est le petit bug qu'il peut y avoir pour la suite. Donc voilà, et puis il y avait donc à côté de ça, il y avait aussi une PS1 en bel état avec une manette et les câbles que le monsieur en voulait aussi 15 balles. Comme vous avez pu entendre dans la vidéo, j'ai négocié tout le lot pour 30€. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment vraiment super cool de ce lot-là dans ce vide-grenier. Voilà, et ben en attendant, donc désolé pour ce petit bug, encore une fois, hein, c'est pas de ma faute. Je sais pas du tout ce qui s'est passé, je vais regarder à ça par rapport à la GoPro. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, pardon. Continuez à vous abonner, continuez à geeker, et puis on se retrouve dimanche prochain dans une nouvelle vidéo Vide Grenier Live. Allez, je vous dis à ciao tout le monde.